Le coureur normand devra attendre des routes plus pentues pour faire la différence. Ocaña, lui non plus, que l'on voit en tête de la troupe, n'a pas fait son récital. Il a laissé aux Portugais Oliveira et aux Espagnols de Tutacabi le soin de réduire l'écart. Dès que la route monte, les Ibériques sont là et bien là. Cela promet pour les étapes de haute montagne. Para que Laurent Fignon no consiga llegar en solitario, Arsenio González tendrá que arriesgar. Es mejor que intente conectar lo antes que pueda con el corredor francés, puesto que... Tony Martin, exceptionnel. Il est parti à 60 km de l'arrivée parce que Alessandro De Marchi n'avait plus le coup de pédale. Intelligent, fort, très très fort. Tony Martin va faire 60 km tout seul. Il ne lâchera absolument rien. 3 minutes à 60 km, 3 minutes à l'arrivée sur le groupe Tony Gallop. On retrouve l'échappée qui attaque le premier col de la journée, le Markstein, avec une avance plutôt confortable de 7 minutes. Le peloton est bien sûr emmené par les équipiers de Julien Alaphilippe, Casper Asgreen et Max Richese. Au sommet de la première montée, Wellens prendra les 10 points devant Ciccone et Meurice. Celebrates and the...